Hong Kong, le mouvement pro-démocratie a reçu un soutien de poids, celui des électeurs. Et les chefs de l'exécutif souhaitent enfin vouloir, je cite, « écouter humblement la population ». Ce dimanche, plus de 71% des électeurs sont en effet allés voter et ont élu une grande majorité de candidats pro-démocrates dans les 18 conseils de district de Hong Kong. Des élections locales habituellement dominées par des candidats favorables à l'exécutif alignés sur Pékin. Cela veut dire que les électeurs ne sont pas satisfaits de la façon dont le gouvernement gère les protestations jusqu'ici. Surtout au cours de ces 5 derniers mois, la brutalité policière est en fait exagérée, je pense. Et je pense que les habitants de Hong Kong devraient vraiment, vraiment tirer parti de ce résultat pour demander plus de démocratie à l'avenir. Beaucoup pourvu dans ces élections locales un référendum par procuration sur le gouvernement hongkongais. Mais selon Regina Ipe, membre du conseil exécutif, députée pro-establishment, ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Je ne pense pas qu'il serait approprié de voir cette élection comme un référendum parce qu'aucun sujet précis n'a été soumis aux électeurs. Nous avons simplement assisté à une politisation d'un scrutin local. Parmi les 5 revendications du mouvement de contestation pro-démocratie à Hong Kong figurent notamment l'avènement du suffrage universel et une enquête sur ce qu'il présente comme des violences policières. Jusqu'ici, la chef de l'exécutif avait rejeté ces demandes qu'elle qualifie de vœux pieux, mais Carrie Lam ne pensait pas que les Hongkongais soutiendraient les manifestants dans ces élections.